maillot que j'ai commandé. J'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui comme vidéo, je pense que vous l'avez juste deviné par le titre. Puis c'est assez populaire sur les internets. Et ben oui, je vois. Oh, c'était tellement désagréable pour les oreilles. Je suis vraiment désolée. On va recommencer ça. Est-ce qu'on voit mon adresse? J'espère que non. Donc, je vais tester des vêtements de... Fait dans le fond, tous les vêtements qui sont dans ce colis-là, c'est vraiment tous des vêtements d'été. Il n'y a aucun vêtement de printemps, j'allais dire été. Ou ça rameau. Dans le fond, il n'y a aucun autre vêtement que de l'été. Parce que dans le fond, j'avais commandé ça pour mon voyage en Floride. Si c'est la première fois que tu me vois, ben salut, je m'appelle Sarah Maud. Je sais pas si je devrais me décrire comme étant une YouTuber. Mais je sais juste que je publie des vidéos sur les internets. Fait à toi de déduire si je suis une YouTuber ou non. Avant de commencer, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça, à cliquer sur la petite cloche de notification, puis dans le fond de la cloche-là, ben, ça va juste te donner une notification, puis tu vas juste savoir quand est-ce que je publie des vidéos. C'est juste ça, ouais. À faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires quel morceau de vêtement t'as préféré, dans le fond, dans tous les vêtements que je vais te montrer, quel morceau t'as aimé le mieux. Ouais, je pense que c'est bien dit comme ça, ma question. Donc, sans plus attendre, ben, on va commencer la vidéo. Ah, mais ça, c'était désagréable pour les oreilles. Fait qu'on va commencer la vidéo maintenant. C'est dégueulasse. Maman, j'avais pas besoin de ça, hein? Oh shit. On va commencer par ça. Ah oui, les enfants, il est important de ne pas mettre... Focus? Est-ce qu'on peut focuser, s'il vous plaît? C'est important de ne pas mettre... Allô, focus, est-ce que tu pourrais être présent? Donc, il est important... Tabarouette de focus. Bon, moi, je vais pas mettre ma main. Il est important de ne pas s'étouffer. En fait, de mettre le sac sur ta tête parce que tu sais, tu peux t'étouffer. Et de ne pas le mettre dans la face d'un bébé. Je vous avoue que ça serait un petit peu intelligent de ne pas le mettre dans la face d'un bébé. Et de ne pas le mettre sur ta tête pour l'Halloween. Je pense que tu pourrais te déguiser en autre chose que Zafou. Je dis ça de même. Mais bon, on va déballer. Ah, c'est un bodysuit. Oh oui, je m'en rappelle. Bon. C'est un bodysuit noir. Je vais sûrement vous mettre le prix puis toute la patente dans l'écran. Dans le fond, c'est un bodysuit bien noir, bien simple. Mais à l'arrière, il y a un dos vraiment ouvert ici. Puis c'est vraiment beau. Genre, c'est vraiment simple à l'avant, mais ouh, à l'arrière, il y a un petit dos ouvert. Puis ben, c'est un bodysuit. Fait qu'évidemment, il y a les petits straps ici. On va voir s'il fonctionne bien. Voyons. Voyons, Seigneur Marie-Josée. Ah, bon. Un petit peu difficile à attacher, mais t'sais. Sinon, pour le tissu, pour vrai, c'est vraiment un tissu super confortable. Au début, je pensais que c'était un maillot de bain, mais pour vrai, c'est vraiment beau. C'est simple, c'est wouhou, c'est vraiment beau. Et je donnerais une note de 4.5 sur 5. Ça commence bien fort, Zafou, je t'aime déjà. Prochain morceau. J'aime bien leurs petits sacs, ils sont vraiment mignons, genre. Bon. Ouh, il est quand même vraiment beau. C'est le maillot que j'ai commandé. Je me souviens plus de l'avoir commandé, ce maillot-là. Je suis vraiment perdue. En tout cas, pour le haut, pour vrai, la qualité est wow, là, genre vraiment. Le pad, il est juste bien placé comme il faut. Ou sinon, la qualité est vraiment présente. À la caméra, il paraît vraiment rouge flash, mais comme dans mes mains, il est bourgogne. Fait qu'il est vraiment beau. Puis l'affaire qui est positive avec ce maillot-là, c'est qu'il y a comment on dit ça? Ça veut dire des cordons ajustables, mais des bretelles ajustables. Mais pour vrai, la bobette est vraiment de qualité. Quand je l'étire, elle est pas see-through, comme on dit. Je suis tellement pas bonne en anglais. Mais elle est pas transparente. Puis ici, elle est vraiment extensible. Donc, le maillot, pour vrai, je donne encore un bon 4.5 sur 5. Prochain morceau. Ah! Il avait tellement de carré! Oh, Seigneur, il est bien petit. Donc, pour le petit haut comme ça, pour vrai... il est vraiment cute. Il y a des petits fils un petit peu qui dépassent
par ici et par là. Mais bon, ça, ça s'enlève, c'est bien correct. Mais c'est ça, comme la qualité est vraiment présente, qui est peut-être un petit peu transparent, mais c'est pas si pire. Pour le petit haut même, je donnerais un 3.5 sur 5. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus long. Donc, prochain morceau, c'est le même tube qu'on a vu, genre, le 30 secondes, mais en rouge. Donc, un petit papier qui sert à rien. Le chandail, encore une fois, c'est la même grandeur, puis je pense que je peux aller rapidement. Pour vrai, il est vraiment beau. Genre, à caméra, il paraît rouge flash. Mais il est rouge flash, finalement, dans mes mains. Il est quand même très flash. Et pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. On dirait que je l'aime mieux que le noir et rouge. Fait que je vais donner la même chose, un 3 sur 5. Oh non, peut-être... Non, je vais donner un 4 parce que la couleur, je l'aime vraiment. Fait que... C'est ça. Ça, je ne me rappelle point c'est quoi. D'après moi, c'est un maillot de bain. Oh, j'avais tellement carré, celui-là! Celui-là, il est vraiment assez populaire sur Tarfo. Dans le fond, il est disponible en plein de couleurs. Mais moi, je l'ai pris en noir parce que j'ai pas vraiment de maillot noir. Je viens de me rendre compte, là, dans ma vie. J'ai comme aucun maillot noir vraiment basic. Fait que j'étais comme... Fait que je me suis commandé un maillot vraiment noir basic. De même, ça a l'air d'un tube, mais j'aime pas les tubes. Ah, shit. C'est ça, j'aime pas vraiment les... J'aime pas les tubes, mais ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est qu'il y a des petites bretelles pour faire en sorte que ça ne devienne plus un tube. Fait que, oh seigneur, je rush vraiment à faire des hauts, je suis vraiment désolée. Vraiment. Le matériel est vraiment, mais vraiment de qualité. Pour vrai, là, genre, il y a une doublure, c'est juste parfait. Là. La doublure est comme, wow, ok. C'est vraiment pas transparent quand je les tire. Les pads, ça va être à voir. Mais d'après moi, ils ont l'air corrects. Mais par exemple, si je les aime pas, ben, en fait, il y a toujours la possibilité de les enlever. Pour le bas, il est très élastique. Fait que pour le maillot noir, avec les petites bretelles, ben, j'y donne un 5 sur 5, parce que pour vrai, waouh, je l'adore. Je pense que je vais le commander dans toutes les couleurs qui existent sur Zafo. Pour vrai, je le capote. Fait que cela, je vous le recommande à 100%. Donc, c'est soit un romper ou une robe. Un romper, ça se dit-tu de même? Je sais plus. Prochain morceau, c'est des shorts. Oui, mais pourquoi qu'ils mettent ça? Ça sert tellement à rien. Genre, mon morceau, il est grand de même. Il est ça. Genre, allô, ça sert à rien. Donc, les shorts, oh my god, ok, oui, c'est vrai, il y a une petite ceinture qui vient avec. Puis, pour vrai, la qualité est vraiment, mais vraiment nice. Par exemple, je m'attendais pas à ce que ça soit luisant. L'affaire qui est cool avec ça, avec ces shorts-là, c'est que d'habitude, il n'y a pas de poche. Mais là, il y a des poches. Donc, les shorts, pour vrai, sont vraiment belles. J'ai rien d'autre à dire, pour vrai, wow. Puis la ceinture aussi, là, la ceinture, je pense qu'elle est assez longue pour ma taille, à moins que j'ai une maudite grosse taille. Pour vrai, c'est un bon gros 5 sur 5 pour ces belles shorts-là. Prochain morceau. Oh, ça, je pense que je sais c'est quoi. C'est la robe. C'est une robe que j'ai commandée parce que oui, j'ai commandé une robe. Si le monde me connaisse bien, ils savent que Sarah Maud ne porte pas souvent les robes. Genre vraiment. La robe est bourgogne. L'affaire qui est vraiment positive avec la robe, c'est qu'il y a des bretelles ajustables. Un petit collet avec un trou ici. Bah, par exemple, faudrait pas que je te fasse dessus parce que ça va déchirer, mais carrément. Puis en arrière, c'est qu'il y a un petit zip. On va voir s'il fonctionne. Oui, il fonctionne. J'ai eu de la misère un petit peu, mais bon. J'ai vraiment rien de négatif à dire, mis à part au niveau de la poitrine qui est assez fin. Fait que je vais donner un 4 sur 5. Ça, c'est un One Piece. Oh my god! Quand je le vois même, là, je sais pas si vous pouvez voir ma face à travers, là. Il est transparent. Il venait aussi une ceinture avec. Ça, j'ai oublié de le montrer, mais il y a une ceinture avec. Ça s'attache à la taille. D'après moi, ça risque d'en arriver pas mal en bas des fesses. Ça devrait être popé. Pour le romper, une pièce, je donnerais un 4 sur 5. Maintenant, on va passer au dernier morceau. Oh, shit. C'est un haut jaune. Parce que, pour vrai, je trippe intense sur le jaune. Vous savez pas à quel point j'adore le jaune. Pour le haut, il y a des petites gogosses comme ça que tu fais ça, me semble. Ouais, c'est ça. Pour les pads, je te dirais que dans les maillots que j'ai eu en ce moment, c'est sûr que je trippe le moins. Fait, c'est ça pour le bas, mais je donnerai un 5 sur 5. J'aime vraiment le duo ensemble. Là. Pour vrai, je vous le recommande. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Oh shit, j'aurais tellement pas dû faire ça.